toujours bien de choisir DRC News pour télévivre l'actualité d'ici et d'ailleurs dans tous les secteurs politiques, sociaux et autres. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bienvenue. Alors, grande de ma joie de recevoir pour vous Amwana Mboka. Lui, c'est Monsieur Tamsa Kapuya. Je crois que ce sera pour la première fois. Nganayamba et Bongo na plateau. Avec lui, nous allons devoir jeter un coup d'œil dans le Kambo Itali Bongo, justice Yamboka Nabiso. Est-ce que Mokonzi, Tata Mokonzi, à justice, constamment dans la zone populisme? Tout réellement, tout le baguette, ils ont vraiment ma réforme à été à guérir justice. Yambo comme le président de la République avait dit l'autre fois que la justice congolaise est malade. Alors, as un médecin, Oyo, et Singela qui naïe pour abikisa justice Yamboka Nabiso. Le ministre de la Justice a dit, a déclaré fermement que le frais de justice ne serait désormais plus perçu directement par le magistrat, mais exclusivement via les guichets de banque qui seront ouverts dans chaque juridiction du pays. Ça a créé de problèmes comme pas possible. Bras de fer entre le ministre de la Justice et les magistrats. Voilà, est-ce que les populisme, les thématiques Nabiso, Yaliboso, Bongo, Toko abordé, na plateau, chers internautes. Nous allons jeter aussi un coup d'œil sur la situation sécuritaire Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Et c'est Nabiso était tout le Bélakamo Bongo à chaque fois pour que la solution est sur ma. La SADC réitère son appui politique, diplomatique, militaire face à la crise d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Mbokanabiso, est de l'autre côté, est et Zala, bon pacifié, pour tous bon durable, chers internautes. Nous allons devoir chuter par cette question. Vous êtes sans ignorer que Bongo n'a parti au il y a pouvoir UDPS. Moi, mes ententes, ils ont tellement ma casse. Moi, guerre, ils ont tellement ma casse. Est-ce que lui, UDPS, ils ont déjà divisé? Qu'est-ce qui se passe? Mais en gros, tout Yambelibino Bongo, je disais tantôt que Monsieur Tamsa Kapuya Azamoko au cadre d'un sans parti politique au IDPS. Voilà, mon amboka, oui, madame. Merci beaucoup, Madame Sema. C'est mon camarade chez nous qui toque à dire si tu dis. À tout Seigneur, tout honneur, nous autant de votre de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Où tu vois qu'à fait le temps où il y a Yerushalayim comme une terre de promise, une terre de solution, une terre de Dieu, des Congo Nabiso et yende mutu oyo nzambe yemei tata mokonjwa kelaka lola na mabela a disposé qui moi pouvoir naé quoi l'on a biso na boumbu oyo mundele autre que Occident ma grande puissance ba imposa biso. Et tu vois que tu es indépendant, mais on n'a jamais été indépendant. Avant l'indépendance, et après l'indépendance, c'est aujourd'hui, ils ont né les lots, autant comme Colobella, pour que tu sois bon, soumis à solo avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Très bien, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous avons abordé Bongo, thématique Nabiso et Aliboso, ils ont concerné Bongo Justice, Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Analyse, mes amis, depuis arrivé, il y a Maître Constant Moutamba à la tête de la justice. Oui, je ne vais pas parler directement de Constant Moutamba, maître, soit l'excellence Constant Moutamba ou Azokamba, ministère de la Justice Lelo, mais je parle d'abord sur la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, quand il a accédé à la tête de ce grand pays ici, un pays continent RDC, à l'obaka que justice Nabiso Zobela. Mboka et Kofa depuis Kala. Et bah, ma comprenaille, n'en démo comme abe aussi longtemps que celui qui vit tout au quotidien, na situation Mboka et Nzali. Et le bac a plusieurs fois que machine judiciaire
les gens koufa ezo tambola avec mikakatone belé belé et bazo rendre ba arrêt bazo rendre ba jugement au nom du président de la République. Mais ba jugement na ba arrêt au bazo rendre na kombo ya tata mokonzi ekolo bazo rendre ngo mabe na nyamu nyamu kusu subulu yeke belé belé. Et c'est là où il parlait toujours de temps à autre, toutefois que non, justice c'est ça mabe. Donc on a qu'un exemple, moko na premier mandat naé, il y avait une loi où il y a totelemelaka, ba mama ba sietaka pour dire que mubeko est colérate, où il y a loi ya mina kuna sakata. Où ba banda ko bekano non justice, ezala na disposition ya ministre de la justice. C'est pour dire que soit que ça n'est on sait que ministère de la justice soit la justice à mboka na biso. Il y a quelque chose à la indépendance, mais il y a quelque chose à la gérer par ministre ou la justice. Et avant de rendre arrêt, soit jugement, moko décision, moko jugement, il faut y aller que au Bolodouana, oui, yo, ou bien ça n'est pas été. C'est comme ça qu'avec la vision de l'IDPS, au pouvoir, le peuple d'abord, le peuple au centre, avec Otozor Bakenono, état de droit, tout le monde qui est et maté qui t'a écolé karaté parce qu'ils ont demandé mboka ko bomba parce que mboka d'abord c'est kufakala et c'est comme ça que dans la gestion de son extra fait ça passerait tout bon mbé ko ne karaté mais justice c'est ça kufa et ça nous fait tellement de plaisir aujourd'hui quand il est tombé sur le ministre d'état mboka mboka c'est kufakala donc si le mboka zaka ya ko non non mais mboka il y a monné toujours ba makambu oyo ya indépendance que nous voulons cette fois-ci ko arracher indépendance à Solo grâce à son excellent fait Santo Tshiri Tshilombo vision naé nandenga fandi na ngwende ya gestion bon comme fils du pays c'est grâce naé de to arracher vraie indépendance et quand il parle déjà de la justice on a vu depuis son accession au pouvoir plusieurs ministres de la justice se sont succédés Moussou Koutou au Asaka moi mbeba moko boy tout ça ero balinga kiba limoje et alors non non on a maté yemei aipsinga que non nazarawana mais comment toi tu es un ministre il y a gouvernement il y a sika mais il comptait toujours sur leur autorité morale qui était Joseph Kabila Kabange le sénateur avait tu voyais que non non na mboko tout était déjà coterie côté qui est belé à tous les niveaux babanda ko rendre jugement avec complaisance avec trafic d'influence, avec plusieurs complaisances, belé, belé. Mais c'est maintenant que le train commence à prendre les marches où il y a changement radical, avec passage à Konsa Moutamba à la tête du ministère de la Justice. Et nous voyons que non, non, c'est une tête parmi d'autres autres Wandaki Kozela. Pour Bacha, Mayenyon, son peuple, Azaki Nango, pour sa place Nango. Aussi longtemps que Moutamba, il était parmi Batu Oyo, Babandaka Kolanda Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Et Babandaka Kotufeye, et pas Bakasik, Oya Minen, Oya FCC, Oya Noaza, Kotana Posa, Otan, Komana Bangote. Mais Toyoka, sénateur à vie, le Bakanon, il n'avait pas 15 personnes pour transformer le peuple congolais. Mais parmi Batu Oyo, Zaki Nabango, Constant Tabazaka. Mais Yamonaka était parce qu'il était étouffé par des personnes qui se disaient que Bazaba a grande personnalité de ce pays, ils sont bas étouffés. Et nous avons vu encore une autre personne qui est ministre de la fonction publique, Liao, Jean-Pierre, que je salue encore en passant. Il était toujours là. Si y a un Jabakassi qui a fait ceci. Mais, son excellent fixe en tant que secrétaire Mouko, il n'a pas eu de sécurité, mais il puisse toujours n'a pas eu de sécurité. Bazaga déjà na gestion, na politique et ce qu'on sort. Mais, à ce moment-là, on a une chance, mais nous voyons plusieurs personnes briller. Et nous. Mais, Batebele, Bazon, na Constant Moutamba, qu'est-ce que ça, la populisme, Batba sentirie, tout ça, avec ses réformes et tout ça. Non, non, mais toute personne est libre, comme il peut se prendre la liberté d'expression. Mais Constant Moutamba, il était assoiffé, il y a bonne gestion en Boka. C'est ça ce que moi je viens à lui. Quand il était à côté des casques de FCC, Abandaki Kouling, il m'a pêché à ta portion au pouvoir. À quoi que vous avez dit, Oyo, il y a Zagina, on a monté ma main, il était étouffé, matin, midi, soir. Abandaki a pêché l'occasion. Et il a été mis devant un fait accompli par son excellent fait Santo Tshiri Tshilombo. C'est comme ça que
il avait déjà une vision parce que c'était un avocat de carrière, c'était un juriste de formation. Et il a vu, il voyait comment la magistrature, le bandage au temple bien été, le jugement au bandage pour rendre naba magistrat ce qu'on sort avec des juges. C'est dans ce, cette ordre de la aligné sur acha ordre dans le toilettage, na machine judiciaire, même pour faire payer bah taxes, bah impôts, bah frais, il y a bah jugement sur qu'on sort et tout s'est passé. Nande moka ke, nama boko abatu, et au PSI, tout ça se consort. Mais quand on veut canaliser mbongo, il y a l'État, le maire l'État, qu'est-ce qu'il y a l'État? Où est le problème? Mais beaucoup de personnes commencent maintenant à se fâcher. Il y a bras de fer entre lui et les magistrats. Non, mais il n'y a pas de bras de fer. Le problème était que nous envions comment Makamoussou, c'est le Kanabo, comme ce soit, il y a l'ordre. Et tout est informatisé, tout est administration et ça organisé. Mais pourquoi pas aussi chez nous? C'est question de volonté seulement. Lui, il a amené uniquement la volonté de faire du bien pour son pays qui a dit qu'il y a un que les jours où il y a un ministre, il y a justice, mais où il y a un simanaye, à côté déjà que les bâtons, les acquis déjà les couloirs, le capé moyen pour surmonter. Parce que c'est lui qui a fait résister maintenant les machines judiciaires. Et depuis que on est dans ce pays-ci, on n'a pas vu une personne active avec la volonté de faire du bien et mettre chaque chose à sa place. Comme ce que Sphinx nous disait d'abord, que nous prenez-vous en charge. Les peuples d'abord, c'est cette idéologie-là. Le logo qui m'a été, Togo Tia Elika, été Constant Moutamba, Azam Moutoukou, Apollon, la justice congolaise, Nambet Hôpital, et puis avant d'y s'en bisiko et Singi. Non, mais la minute, toi, autozolo bakutaka justice ezaka na soins intensifs mais na mito soko leki okokuta na justice okuta okumona ke non non déjà justice comme quoi respirer et liwe longwe déjà esprit de mort c'est long esprit de mort c'est long déjà maintenant tout commence déjà à être sûr que non moto okokufa esprit de mort ezaisu longwe justice ce quoi etika kaka etia makolo e bandoko tambola parce que ezali déjà convalescente et on est sûr avec lui. Très bien, un coup de chapeau à vous, Maître Constant Moutamba. Voilà, nous allons devoir changer de chapitre. Parlons de la situation sécuritaire qui persiste jusqu'à présent. L'Est de la République démocratique du Congo est toujours agressé par le rebelle tué par le Rwanda. La SADC a réintégré son appui politique, diplomatique et militaire face à la crise d'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Et sur Tom Skapuya, au Monibongo, décision sous SADC Azui a renouvelé encore, a réintégré encore son appui pour la guerre OEST de la République démocratique du Congo. Comment? Non, mais décision à SADC d'abord, quand on parle de la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshilombo. Parce que non, nous disons une chose qui est réelle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi les actifs Oyazanango, c'est faire redonner l'image, redorer l'image du peuple congolais, parce que le peuple congolais a zaré sous une considération dans le monde, voir un petit pays comme Rwanda, voir des pays limitrophes, Rwanda, Burundi, Ouganda, Soudan. Et tout ça n'a pas Tanzanie, Bazo, Piétiné, Bissot ici, et nous nous trouvons, Nadjile, Moko, Makas, des étrangers viennent dans notre pays et Bazo jouir, n'a, bon, mais on a pu ça, bah, Congolais, d'aider Bazo Zoua, bah, fonction Moko et régalienne, au Bissot, bah, Congolais, Toko Kaki, Kosa et Langote, n'a pas Moko, n'a pas Moko. Et avec son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des dons changent, et des lignes ont déjà changé. Nous voyons maintenant qu'un Congolais commence à être respecté, considéré dans le monde. C'est à partir de Moutoyo, Azokambabi Solelo. Les Congolais meurent comme pas possible de l'autre côté. Justement, des morts. Les Congolais que vous parlez, Azar respecté dans le monde entier. Non, non, mais c'est tout Congolais, même toi, même moi, tout Congolais. Mais la situation de l'Est, c'est Lelo. Parce que tout le monde a dit que Bandika a une gestion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, même période où, soi-disant, que tout le monde a une indépendance, le premier président
de ce pays-ci, Joseph Kasavubu. Mm. L'Est était toujours objet. Il y a convoitise, il y a conflit avec l'Occident. Mm. Vu la richesse. Hein? Vu la richesse. Vu toujours Makambo et Zakuna avec ressources et Zakuna. Est, depuis même Kasavubu, il y avait toujours le problème à Est. Même à l'époque de Marcel Mobutu, il y avait même encore un blanc. Oya yaka apika ba drapo bendele na yekuna lobi que nous avons commis président ya Nord, ya Sud Kivu à l'époque de Marcel Mobutu. Mais Marcel Mobutu avait même dénoncé ça na sommet ya Nations Unies pour dire que mais si c'était un noir ayez soit na Canada, soit na France, soit na Belgique ou bien na Angleterre, ou bien États-Unis kuna akangi quartier moko lobi que nous maintenant je deviens président ya parti mais il devrait considérer comme un fou. Mais nous avons vu un blanc, un Occident, venir faire des théâtres à l'Est pour dire que non, il devient présent à l'Est, à Yepona Balkanisation. C'est pour te dire que Masolo Otozana Ngolelo ya Est, avec Balkanisation, et ça projet ya Mundele, ya Kala, ya 1884, Moutou Oya Sala, que Tozala na cartographie, Otozana Ngolelo, ya RDC croquis, ya carte Otozana Ngolelo, c'était Léopold II. Mais Léopold II aussi a été combattu par ses propres frères occidentaux. En même temps, en l'occurrence des Allemands, parce que Léopold II, il est d'origine allemande. RDC, à l'époque, c'était Congo belge, Zaka, Rwanda, Burundi, Nyon, Zaka, pays moko dirigé par la Belgique, avec un gouverneur général, Zaka, on a quitté ça. Mais Eros Kobasala est répartition, Azouaga parti à Rwanda, a payé ça à l'Allemand, mais l'Allemand se retrouve à Rwanda parce qu'il n'y a pas de minerais. Makamouane est bandé depuis 1884. Et dans quelle manière va revenir Soussou, Yako Sala, Croquis, Moussou, Yakarta, Sekapoke, Babalkanzemboka. C'est ça le conflit. Même à l'époque, Tozolo Baya Marcel Mobutu, il avait dit clairement que même s'il faut faire le pacte avec Diable, il le fera et il l'avait même fait pour que le Congo soit un et indivisible. Mais quand l'Afdel est venu, Afdel, Mouzé, il était assoiffé du pouvoir, mais il ne connaissait pas l'agenda caché à Mundele. Et Mouzé a été dupé pour accepter qu'il a signé. Mais vous accusez toujours. Non, on ne l'accuse pas. On ne l'accuse pas, mais. Mais le conflit que nous avons aujourd'hui. Oui, le paix durable. Il est passé déjà. Si, ça revient. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire pour que tout soit paix durable avec Alir Oyo des Africains, Bazu Mikoloyo. Comme on connaît que base de vraie indépendance, parce que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Mmh. Exemple facile, j'ai été fait voir les trois pays des Sahel, où il y a un type comme ça, la Borna Bango, Mali, Burkina Faso, avec Niger. Quand tu entends, tu écoutes leur discours, même la population va vraiment barbie que non, abat les Français, abat les Américains, maintenant nous avons besoin, il y a une vraie indépendance, parce qu'on n'a jamais été indépendant. C'est là où je te dis que l'Afrique n'a jamais été indépendante. C'est maintenant, aujourd'hui, où nous parlons maintenant de vraie indépendance. Aujourd'hui, les pays, nous sommes indépendants. Nous parlons. C'est pour... dans quel secteur déjà là? Bon, nous parlons pour avoir la vraie indépendance. Parce que d'abord, indépendance. Nous... Le pays n'est pas encore indépendant. Non, jusque-là, on n'est pas encore indépendant. Très bien. Nous devons d'abord avoir l'indépendance économique. Nous devons avoir l'indépendance politique. Nous devons aussi avoir l'indépendance de la langue. Nous devons aussi avoir l'indépendance. D'abord, nous avons une économie nabiso, ils sont extravertis. Nous dépendons seulement que des dollars. Nous parlons que des dollars. Aussi longtemps qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où les Américains, ils ont toujours dit que l'Union soit en train de monde, ils ont des décisions que non, pour le moment, les monnaies mondiales, les monnaies économiques, les monnaies que tout le monde étiquette comme unité de mesure, c'est un dollar. Et plusieurs pays, ils ont un embargo, ils ont un dollar, ils ont des stabilités tout ça dans le monde. C'est dit au dollar. Parce que nous utilisons, nous prenons toujours le dollar comme monnaie, il y a échange, comme monnaie d'unité de mesure. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas indépendant. Là, notre politique, pour que tu accèdes à la tête du pays, il faut que des instructions viennent toujours de l'Occident. Et ça, dans le secteur, mon côté, ton appelant mon côté au RD Congo. Non, mais je ne parle pas de RD Congo, mais je te parle de l'Afrique. Mais la cause, il y a un secrétaire de Tozol Bele à l'Est. C'est sur les ressources. Combien de voyages ont son Excellence, avec certains que tu l'as dit, que pour toi, Zongi, à l'Est, Bamba Mindeloana, à l'occurrence, Nokotangelo,
Bill Gates na société na bango ya ba ya ya bo ba bande bazo financer ba plusieurs groupes armés na ce qu'on a pour la coltan. Et il a fait combien de déclarations à ce moment que boya et pas na ngande kolo kwanga to yokana bozwa minere et tout ça l'échange direct qui passait à l'intermédiaire Batokoufa. Mais ils ont refusé. C'est pour te dire que ces gens-là veulent toujours nous imposer Nadikta à tous les niveaux. Bango, Bakote, Nandako, a eu tout ce qu'il a besoin de prendre, il sort, il part. Quand tu veux parler, soit t'imposer, Babomio. Tu sais qu'il y a eu combien de présidents africains au Occident, Boma. Je peux te citer Thomas Sankara, je peux te citer Mohamed Kadhafi, je peux te citer plusieurs présidents Oyo, Bazaki toujours na philosophie, il y a indépendance Afrique. Même Kadhafi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait non, nous devons avoir l'indépendance Afrique. États-Unis d'Afrique, Makambokozoa, Mbongo, sous la Banque mondiale, Fonds monétaire et Zalaté. L'Afrique est assise sur les réformes, sur les mines, soit sur les matières premières. Prenons nos matières premières, pétrole, or, avec des coltans ici qu'on sort. Tout ça est là, on a un peu équilibre. Nous avons des Occidentaux deviendront nos esclaves ici. Mais ils ont, ils ont vite compris que non, à la lire, voient les choses. Ceux qui sont africains, ils font les missions. Ils sont tous les gens qui ont et Kadhafi a été tué. Et plusieurs présidents africains ont été tués. Mais ma troupe OESA, na est il y a République démocratique du Congo, jusqu'à quand de là qui bongo l'autre fois. C'est vrai qu'on a président de la République, bon, on a un gouvernement pour ne pas parler du président de la République, que ça ne sert à rien, il y a qu'à associer, il y a qu'à Tina Bongo, il y a qu'à Lima, RD Congo, et je vais trop dans l'Est de la République démocratique du Congo pour l'Est et la pacifier. Donc, on a une armée congolaise pour l'Est et la pacifier. Et maintenant, la SADC a réintégré encore son appui, son engagement pour continuer à la bombe dans l'Est de la République. Depuis que Bazawana, et là, comme Malongani, il va s'aligner. Mais fort, nous sommes tous les les efforts de la diplomatie, il y a le président de la République. Ma troupe Wana, est-ce que jusqu'à quand faut continuer à compter sur Bangopo Est et la Pacifique? Non, mais madame, sinon, je te dis une chose qui est vraie, que Namboka Nabiso, il n'y a pas une province où les billets verts sont en train d'être manipulés comme Nord Kivu. L'Occident, Bacha Misisina Bango, Bazo corrompre nos officiers supérieurs, nos officiers généraux, nos officiers militaires. Ok, bâtir quel toujours bango temps, bah notre toujours quoi ça, exploitation illicite n'est pas au sala. Et période de la campagne, j'avais apprécié l'attitude de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Baka, Makambuya, que non non, nous avons des armes, toko beta munduki à partir de Goma, à partir de Kisangani, Mbalamoko et Kouina na Rwanda. Mais États-Unis d'Amérique a envoyé vite un pays, Pologne, Oyo Azaki représenté par représentant il y a autant. Dans Rwanda pour venir appuyer M23 à l'Est. La situation que nous avons à l'Est, on avait mis la main sur des mercenaires polonais, des mercenaires américains, sans compter des Anglais, des Français, si qu'on sort. Nous sommes en train de subir une troisième guerre mondiale qui était silencieuse, mais la guerre est devenue ouverte. C'est l'Occident maintenant qui veut s'imposer que ceux qui sont congolais, c'est que c'est fini l'Occident, le règne Occident, en Afrique et à l'occurrence en RDC. Et plusieurs présidents d'Afrique vont comprendre que non, nous devons se tenir main dans la main pour que tout s'impose sur le dictat de l'Occident. Il y a que quelques présidents, oh, bah, toujours dans mon char, mais j'avais encore apprécié le président oh, Burkina Faso, le nom c'est. Allez-y. Je l'avais apprécié parce qu'il a dit que le pays n'a pas de Burkina Faso, Ibrahim de Burkina Faso, le pays n'a pas de relations diplomatiques avec Rwanda. Parce que Rwanda est en train d'être utilisé comme marche-pied occidentaux pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser RDC. Et lui et Rwanda, ils ont négocié parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des présidents Bazana vision te, comment Bakoko s'est libéré na dictat, soit une imposition, soit na esclavagisme à l'Occident.
C'est pour te dire que très bien. La situation que nous avons à l'est des pays de SADC ont ébayé comporté une main forte, mais tozo bonde naba américain, tozo bonde naba français, tozo bonde naba allemand, tozo bonde naba anglais n'est ce qu'on a. Merci. Et seul le Congo, ça ne pouvait pas marcher. Merci. Et nous était aussi que son excellence était visionnaire à décréter qu'à état de siège. Madame, aujourd'hui où nous parlons avec l'infiltration, mixage, brassage, où tozo qui n'ont na Congo. Est-ce qu'on a une guerre qui est là officiellement balkanisée? Très bien, merci beaucoup. Alors, chers internautes, Balandi Bongo et DRC News, je tiens à rappeler que na plateau on a Zabonga de Kotoms Kapuya ou Aza cadre de la parti politique UDPS. Donc, petit à petit, nous allons chuter donc comme mythe. Mais avant de chuter de Kotoms Kapuya, la situation, la santé de votre parti politique. Dans 30 secondes, puisque là, on doit chuter déjà. Comment ça se passe là-bas? Deko Kabuya fatigué là. Ouazaki Bongwadjou en aïe. Deko de Gracia. Oui. Allez-y, pour la santé. Non, non, mais tu sais qu'il y a eu chaque chose à son temps. Kabuya a fait Maye Oya bien belé quand il était à la tête, il a parti. Et ce qui lui manquait, c'était la cohésion. Par manque, il y a cohésion à parti. C'est comme ça que Organe Otozobenga CDP. Bazoaka Mukan Moko, Bakutanka na Saint-Anne, pour que Ba Matissa Oyazaka, adjoint naye M. Deogracia, le CG, compétent que c'est là en passant. Il n'est pas encore CG. Allez-y. Il a déjà CG. Il y a quelqu'un qui a été au Batolo Bakana, na IDPS, qui a décision pour Ba Fandi Saye, Ba intronisé officiellement et légalement. Et il y a un de tous ceux qui peuvent, Manaboti Chef, au Tozo Benga CG Kaboya. A koko sala acte moko ya kimkolo parce que divergence komi makasi et plusieurs fédérations ba komi kondima kozwa acte ya déclaration oyo CDP a salaki ba reconnaître Ndeko Deogracia comme le secrétaire. Oh. Et c'est cette crise là que nous voulons pas que et continue parce que zozong se partisima et zotia bluye ke mbilinga mbilinga osusu tout ça, ce qui n'est pas bien et nous demandons que CG Kaboya agir comme une grande personnalité. Il peut faire que acte moqué à démission. Mais le logo n'a pas été UDP, c'est comme déjà divisé. Non. Parce que, toi, quand je suis basé pour Kabuya, toi, quand je suis non, UDP, c'est ça divisé, UDP, c'est ça état d'esprit. UDP, c'est qu'on se divise à jamais. UDP, c'est ça qu'on moko. Oh, yo, toi, yébi. Mais UDP, c'est yébi que toi, ça a 37 ans. Il y a l'élite dans l'opposition. Parce que le moussous, il y a qui combattant, il y a opposition, il y a qui combattant, il y a UDPS. Il y a un des hommes qui sont ceux qui sont on oublie qu'on est parti au pouvoir. Tous ont toujours idée, esprit. Il y a qui combattant, il y a opposition. Et en même temps, tous en opposition, en même temps, on est au pouvoir. C'est ça l'UDPS. Et c'est ça les bonnes manières, bonnes façons où l'UDPS a fonctionné. L'UDPS, c'est ça, moi, que c'est ça, divergence. Il y a une stratégie, un savoir-faire, une idéologie. Où il y a tous ceux qui font la gauche-droite. Et nous sommes des centristes. Où il est là à pouvoir? Non, pas de pouvoir, mais stabilité, le peuple. L'IDP, c'est ça, c'est le parti. Oyo, il besoin de prôner le peuple d'abord. Peuple, azala bien, azala maï, azala l'utiliki, azala na sécurité, azala misala. Et sengeli pe, oyo pe, azala à la tête, il y a parti, mon ennemi, l'IDP. Azala toujours dans l'idéologie. Comment booster le parti? Comment copier ça, bah, combattant? Misala, même bah, oh, yassé, na bah, oh, bah, tangate. Il y a misale belé, je te donne l'exemple facile. Un jour, na koma ka na hôtel de ville, tabana ok na avenue du commerce, côté ya bureau ya DGI quelque part là. Parking mauvais à place on y a ba mito ko ki na DGC, YPN et ses consorts. Allez-y. Chauffeur moko na pourquoi? Là où prix ya facture ya transport des académies comme c'est le soir à chez 3000 francs. Et j'ai vu des combattants et des pestes baillés. Messieurs, à Ouéza base, il y a qu'à qui j'ai eu des pestes. Soit c'est 2000 bateaux matis, soit que boy, l'ongol moutou na okende. Et quand j'ai vu ça, ça m'avait tellement tiré. J'ai dit non, mais c'est ça l'esprit de le peuple d'abord. Mais avec bateau andéwana, il ne suffit que pas que non, basala kaka misale ya biro, non. Il y a des pestes, bah ou babanda ou kamba, il y a des pestes quotidien, bah ou kape ko ça là. Formation, soit que ça le demande beaucoup. Naba ministère, soit il y a transport, que pas ça là,
brigade moko ya batu oyo bakoko banda kolandela ba prix ya transport na chaque arrêt, chaque coin pour stabiliser les choses. Très bien, merci beaucoup d'être venu, Ndeko Thoms Kapuya. Voilà, nous sommes à la fin. Vous allez regarder votre caméra dans 30 secondes. Que devons-nous retenir? Oui, ce que nous devons retenir est que Bokono Ezwi Kisi, c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devons l'appuyer parce qu'il est le fils du tiroir, fils du pays. Différemment, Naba Oyo, Baleka, Bateka Mboka, avec des accords bidons, Oyo ya Kobalkanze Mboka, avec quatre provinces, Oyo, Seda, ce que Paul Kagame est en train encore de recourir aujourd'hui. Et son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il n'a pas fléchi na condition Oyo Occident, na Paul Kagame, Bazo Pesa, pour trouver encore une paix dérisoire, soit paix précaire, où il y a infiltration, brassage, mixage et ce qu'on sort. Nous devons les soutenir pour bouter l'ennemi dehors et avoir une paix durable dans Merci notre pays. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, il y a DRC News. Abonnez-vous massivement à votre chaîne DRC News pour ne rien rater. Merci beaucoup. On se verra prochainement pour un nouveau numéro. Et je dis un grand merci à l'équipe technique. Ciao. Merci beaucoup.